Bonjour, alors je suis Mélodie Boubel, je suis cofondatrice du label Coco Machine. J'y fais un peu d'administratif, de la communication, de la promotion pour nos artistes et plus globalement de l'accompagnement de projets. Alors Coco Machine, c'est un label assez jeune puisqu'on a commencé nos activités il y a à peu près un an et demi. On s'occupe pour l'instant d'accompagner quatre projets, à savoir Toupanets, Baguette Crew, Romain Muller et Rémi Saint-Jacques de Bellecroix. Alors il y a une dominante globalement électropop et puis l'envie de défendre des projets qui ont du caractère, de la singularité. Et en tant que label, on est pour l'instant une équipe entièrement bénévole, 5 personnes qui s'occupent de la promotion des différentes sorties, de clips, EP, albums, et puis également de produire des vidéos pour mettre en avant nos artistes. Alors, tous les artistes du catalogue sont des artistes lorrains, donc on est plutôt bien planté à ce niveau-là sur le territoire, même si c'est pas exclu qu'on s'ouvre à de nouveaux horizons dans les prochains temps. Par ailleurs, on est membre d'un collectif d'associations qui s'appelle La Manivelle, donc qui regroupe Zikamine, Event Prod, Meta et Cultura Vibes, et qui a vraiment pour objet de fédérer les acteurs du territoire à Metz où nous partageons des bureaux au Trinitaire. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, comme on est tous bénévoles, il n'y a pas de journée type. On essaye de se rassembler une à deux fois par semaine pour planifier les prochaines sorties, parler des prochains tournages, des clips. On a la chance d'avoir une équipe avec des gens qui ont du savoir-faire. Je pense notamment à Guillaume qui va être très efficace pour tout ce qui est site internet, clips, vidéos. Mylène qui est notre chargée de communication, Laurent à la vidéo également. Alors en ce moment, on profite de ce temps un peu spécial pour accompagner nos artistes dans des périodes de résidence. Il y a notamment Toupanets qui est en ce moment à la BAM, qui prépare son concert pour l'audition des Inouïs, qui aura lieu d'ici quelques jours à l'autre canal. Et puis on a pas mal de sorties prévues pour les prochains temps. Un nouveau single pour Rémi Saint-Jacques de Bellecroix d'ici une dizaine de jours. Premier album pour Romain Muller à la fin du mois d'avril. Et puis les Toupanets qui sont aussi en train de préparer leur premier album. Alors, rayon coup de cœur, moi j'aime beaucoup piocher dans le label Octobartoon à Strasbourg. Dans leur dernière sortie, j'ai beaucoup apprécié, notamment BBCC. Rouvrez nos salles de concert, s'il vous plaît.